turn down. On est sur un question time. Deuxième question time. À propos de lui. Donc ça va être encore sur ma chaîne et la chaîne de Tienne. Donc si un jour il décide de faire une page Facebook pour ses vidéos, on pourrait partager ses vidéos. C'est ça, non, mais sérieux, je t'assure. Ok. La sketch. Non, pas grave. On commence, on ne fera pas de dernière question dessus. Last question. Non, je veux savoir, tu vois, là. C'est quoi les chansons que tu écoutes le plus? C'est quoi ton type de chanson favori? Dans le fond, tu parles d'un groupe? Ouais. Moi, c'est du Red Hot Chili Pepper. Okay. C'est la tune que j'écoute le plus. Pourquoi? Parce que moi, je joue sur la batterie. Donc, je l'écoute. Puis après ça, quand j'ai fini d'écouter, j'ai joué sur le drum. C'est bon. C'est comme ma flûte, mais je joue juste du Zelda. Il y a une ocarina, tout le monde. Il y a une ocarina, tout le monde. Il y en a une. Ouais. Prouve-nous-les. Ouais, on va le prouver. Je vais vous prouver si je la retrouve. Elle est juste là. Excusez-moi, c'est une bulle. Donc, il y a un piano que j'ai trouvé. 40$ chez Jules Duarte. Vraiment bien. J'ai trippé. Là, je vous en jouerai pas parce que ça, t'es quand même rendu une 10h. Mais si j'ai l'occasion dans une autre vidéo, il va nous en jouer, tout le monde. Il va nous en jouer. Je vais vous jouer à ce tune des Zelda que je vais jouer une tune des Zelda que je connais mieux parce que c'est le seul tune que je sais jouer correctement. Ah, c'est pas vrai. J'ai une autre question aussi. La question qui tue. J'aurais même te montrer les disques. Est-ce que tu te souviens de ceci? Ouais, ça se fait. Donc, tu te souviens de Assassin's Creed que j'ai eu gratuit quand j'ai acheté Assassin's Creed 3 en plus. C'est quoi ton Assassin's Creed favori? J'en ai pas vraiment parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué sérieux. Faut surtout te dire que t'as pas eu le temps de jouer à Unity pis Syndicat. Pis en plus, ben ça m'a. J'ai décroché dans le fond. J'ai carrément décroché là, je suis carrément parti de ça. Après lequel t'as arrêté de jouer en fait? Moi c'est après Révolution. Révolution? Ouais, après ça j'ai décroché, je suis parti dans le monde de Destiny. Ah, ok. Ouais. Je pensais que t'avais au moins joué avant dans ta vie. Non. Je sais que t'as joué Mais en fait, le seul que t'as pas joué, c'est Unity. T'as fait Unity, Ouais. Je voudrais faire c'est Unity. Ça devrait être ça. C'est un du syndicat. Bon, ensuite de ça. Toi, Nintendo, les Mario, Zelda, t'sais, des vieux jeux rétro, est-ce que t'aimes ça? J'aime vraiment ça, ça va. Ça me rend nostalgique. C'est quoi genre tes jeux rétro préférés? God of Dutch. C'est vraiment ça. Il y a juste eu la fois qui t'a marqué. Il n'y a pas un autre Zelda, un Mario, un autre Mario. Non, c'est vraiment un God of Dutch. Ok. Ah, c'est bon, ça va. Il y a juste lui. Là, ma mère et mon père étaient anti-jeux de violence, donc je pouvais comme pas jouer à Zelda, ça fait la même. Ouais, dans le temps, ouais. Dans le fond, j'avais comme juste la Mario Kart de Dutch. Je me rappelle, alors là, mon vieux jeu Tortue Ninja. Ben, t'as juste pour dire oui. Ouais. Après ça, sur PS4 et Xbox One, est-ce qu'il y a des exclusivités ou des jeux que t'attends le plus, en fait? Il y a un jeu sur Xbox One que j'aimerais tellement avoir. Même, je sais pas c'est quoi le titre, mais je sais que c'est un gars qui était avec un dragon. Skyrim. C'est ça. Ça là, c'est le jeu que j'aimerais tellement avoir. Le gars qui fait son transformer en chevalier dragon. Ah hein. Oh ouais, ça là. Hey, ça là, c'est mon jeu que j'adore. C'est man. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose? Mettons que tu pourrais inventer une console, qu'est-ce que tu essaierais d'inventer, genre? Une console qui peut vendre, mettons, genre, moi, je sais pas, mes PS4 et Xbox One, genre, mais dans la même console, genre, la PS4, genre, sur une, genre, en bas, puis la Xbox One, tu sais, ouais. Moi, genre, les deux combinés ensemble, là.
Genre Xbox, PS, un jeu pas comme nous, pour que je pourrais m'en genre, tu peux, genre, qui pourrait vendre la compétitivité des jeux PS3 et puis. Ouais, genre PS4, genre prendre les jeux des PS1, 2, 3. Ouais. Xbox One, Xbox normal jusqu'à 360. Parce qu'il faut quand même se dire que depuis que la PS4 est sortie, il n'y a pas un peu aucun jeu de PS1, PS2, PS3. Puis la Xbox One, c'est la même chose, il n'y a pas un peu aucun jeu d'Xbox ou de 360. C'est là, il y a la rétrocompatibilité, mais encore là, il faut acheter les jeux. Donc, la preuve, il y a des. Là, c'est à l'heure, t'attends que le jeu soit gratuit. Ouais. Puis là, juste là, il y a les jeux de PS3, PS2 qui sont disponibles sur PS4. Puis sur Xbox One, ben, c'est des jeux de Xbox 360 qu'on peut acheter. Donc, ah, c'est bon. Comme c'est bon, la PS4. C'est bon. C'est bon, ça, ouais. C'est bon. Comme là, moi, je vais télécharger Black Ops 1. Qui est déjà fini. Ouais, mais tu sais, j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Tu sais, qu'il me donne des space par contre. Ça, j'aurais bien aimé ça. Ouais, c'est sûr. J'ai un ton que je vois beaucoup sur Sonic Cube, moi, c'était 007 Not Fire. Tout le monde, c'est vrai. Ça, je jouais à Amnesty. Pour vous dire, il y en était même une tuerie. Ah ouais. Petit Unfall, ça se voit aussi quand je joue. Ça, c'est vrai. Toi, sur World of Warcraft, est-ce qu'il y a des affaires que tu savais pas puis que. Ouais, on forge des armes, ça, mais je savais pas que ça allait exister. Ok. Des montures volantes, ça fait quand même pas longtemps que je sais que ça existait. Ouais. Parce que oui, il y a des livres de secrets aussi qui se vendent. Ici, j'en ai lu deux présentement. Si je vous les montre, j'ai lu du tout premier. Donc celui du tout premier de World of Warcraft. Puis j'ai celui de l'extension Burning Crusade. Puis toi, qu'est-ce en fait que t'attends? Qu'est-ce que tu souhaites voir dans la Légion? Illidan. Illidan? Mais toi, qu'est-ce que t'attends? T'as-tu des attentes là, par rapport à des nouveautés qui pourraient... Ouais, moi, c'est vraiment reforger les armes, surtout. Les chasseurs de démons au niveau 98. Ouais. Ça, j'attends ça en motadine. Puis mon personnage que j'adore le plus, c'est le roi Lich, que j'ai hâte de l'avoir. Puis surtout, en plus, qu'ils ont fait une refonte de tous les personnages, fait que le roi Lich va être encore plus beau. Puis ouais. Dan, j'ose juste pas imaginer. Ah, oh, ça c'est mon papa. Ouais, c'est une arme prodigieuse, ce que j'attends de voir. Ah, c'est ça, gars. Comme, bon, je savais pas. Comme les arcs, puis les affaires comme ça. Ah. Ouais, ça en veut pas. Ah oui, ils avaient fait forger d'âme, genre. Ouais, on voyait ça dans les bâtons de nage, les haches, puis tout, là. Ça, c'est vraiment quelque chose dans la Légion qui va me plaire. Puis je vais être inscrit à une alpha sur judo.com. Ma candidature n'a jamais été prise parce que le concours, il y avait juste eu en France, puis en Belgique, puis en Russie. Ouais. On ne prenait pas les candidatures qui venaient du Québec. Ça m'a tellement choqué, là. C'est plat en tabac. Non, mais ça m'a tellement choqué qu'ils prennent pas ma candidature, parce qu'en vrai, en alpha, ou juste une bêta même, ça aurait fait de la job, là. Juste pour pouvoir essayer les chasseurs de démons. Mais le jeu que j'en sais trop, là, mais vraiment trop, genre, que j'ai découvert qu'il y avait des glitches, des affaires de même, là. C'est. Merci. Ouais. Puis moi, le jeu auquel j'ai découvert le plus d'affaires, sur lequel j'ai beaucoup passé de temps, c'est vraiment World of Warcraft. Je jouais énormément. Mais ça, c'est vrai. Puis encore aujourd'hui, c'est le cas, là. Comme là, j'ai une sorte de découverte qui me permet de jouer jusqu'au niveau 20 gratuitement. Mais j'attends de tout me racheter pour. Ouais, en fait, une nouvelle barre comme Draenor, ces affaires-là. Donc, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Sinon, des jeux Nintendo 64. T'avais une 64 quand t'étais jeune. C'est quoi le jeu que t'as plus joué sur ce jeu? C'était quoi, tu te rappelles? Ouais. C'est ma Nintendo 64. Ouais. Puis le jeu qu'on jouait le plus, nous autres, sur PC, c'était notre Cross Manus 2. On a joué en tabarnak de ça. Ouais, j'essaie d'allumer le pirater, ouais, ça existe encore. Non, mais sérieusement, ce jeu, je l'adorais. Je savais juste voir s'il existe encore. Ça a doué.
Moi, vraiment, le jeu que je joue le plus, c'est Trial Fusion. Le jeu de moto que je joue le plus. Ouais, tu étais avec ta licorne. Ouais. C'est vraiment. Trial Fusion. C'est bon, c'est bon, c'est vraiment bon. Puis toi, c'était Exercise Bike 64, quelque chose comme ça. C'est quoi ça? Un jeu de motocross. Je sais que c'était Expel Bike, quelque chose comme ça. Ah, mais plus du nom. Vas-y, plus. Un jeu de motocross. Je sais qu'il était vraiment fun. Ouais. Le jeu, je vois qu'il dit en jouant ça. Ouais, il était à 1K. Je me rappelle, à 1K. Ouais. C'était pas très beau, ok? Puis il y avait Turok aussi qu'on a joué énormément. Hey, ils ont fait la refonte même sur Xbox 360. Oh non. Mais ça doit tellement être beau, hein? J'ai checké les vidéos la dernière fois, là. Oh là, ce que c'est rendu beau, man. Oh man, ça doit trop être dément. J'ai tellement pleuré quand j'ai vu ça, man. J'en ai pleuré, man. J'ai encore les larmes qui coulent, là. Oh man, ça doit tellement être beau. D'accord, ça, je te dis, encore, man. Mais là, il y a aussi Final Fantasy XV en 4K, man. Il va sortir. Moi, je l'aurai pas en 4K, mais je vais l'avoir en 3K, certain. 2 ou 3 encore là-dessus. Ça va être beau. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu as regretté d'avoir fait un mensonge ou quelque chose que tu n'aurais pas dû faire? Ouais, envoyer chez M. Sébastien. Fait que ça fait vraiment pas longtemps. Non, pas longtemps. Ok. C'est quoi la pire chose que tu as faite pour être puni? Ah, j'ai passé. C'est quoi la fête, j'ai. Dans quelle fête t'as été puni le plus longtemps? T'as pu, j'en ai fait des affaires. J'avais fugué. À chaque grandeur, je me rappelle. Il m'a fait du push, j'étais monté jusqu'à chez ma mère. Ma mère, c'est ma mère qui m'a pogné. Ah mec, ça ressemble tellement à l'histoire de la fille qui ressemble à Patricia ici. Il avait fugué à chaque gravel. Parce que j'étais écœuré du FPT, je me rappelle encore. J'étais sorti du FPT, j'avais dit j'allais aux toilettes. M. Sébastien, je me rappelle, il était arrivé à la salle de bain, mais il m'a pas vu. Je suis descendu jusqu'à où quoi de pour virer pour aller à la carrière. Ou le dépanneur, ouais. Puis j'ai fait du pouce, ma mère à mon poignet. Elle me disait, tiens, t'embarques. T'as été puni parce que t'as fugué. J'ai été puni, c'est moi. C'est moi. Pas d'Xbox. C'était vraiment ta marde. Ouais, parce que je m'en rappelle. C'était vraiment ta marde. Je m'en rappelle, des fois tu m'appelais, puis je peux pas venir, je suis puni. Moi, j'étais souvent en punition. Okay. Souvent, hein, Jimmy? Mais j'étais fuck ta mère! J'étais souvent à punition, hein? Oui, non. J'étais mal, non, moi. Ah, mais toi, oui. Souvent à punition, j'étais vraiment menteur aussi. Ouais. Et je disais, des fois, j'arrivais, tu me disais, t'es en punition, moi, j'en gardais. Parce que là, quand j'ai rapproché, j'ai dit, calme, 5 minutes, tu peux pas t'en être tranquille, 5 minutes! Il aurait pu venir, ça. Mais j'ai menté comme que je respirais. Ouais, ça, il mentait énormément. Genre, oh. Je pouvais même témoigner, là, mais il mentait tellement là, que c'était fou. Là. Tu savais plus ce qui était vrai et ce qui était pas vrai. Là, tu sais, là. Ça fait 10 ans, ouais, vas-y. Il a fait? Ouais. Ben, mon Dieu. C'est pas où commencer. On va tout ce que tu veux. Tellement. Tu sais, après, c'était dans le début quand tu me disais que t'allais à l'hôpital à Mexique. Ça, je m'en rappelle très bien. Quelque chose qui est quand même impossible quand t'habites à Falardo. Ben, c'est possible, mais encore là, va régler la bourre de temps. Ouais. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon Dieu. Valentin aussi, fait que ça tourne plus. Comme ça, il a fait attention. Ouais, ça, il tourne. Ouais.
La fois que tu disais que tu sortais avec Jenny et qu'elle s'était pas vue partout. Ouais, ça c'était vrai. Je me rappelle encore. Et là, là, tu me rafraîchis les mémoires. Hein. Oh ouais. Après ça. On peut dire qu'Alexandra était pas mal. Essayait de nous séparer. Parce qu'elle voulait. Mais après, c'était dès le début qu'on s'en va reparler en plus. Ouais. Moi, comme un cap, c'est que je fais. Je mangeais comme un chien. Yes. Puis surtout que c'est vraiment bizarre parce que on avait une chicane en hiver, je sais plus trop quelle année. En tout cas, on était à chicane 2007. On était 4 ans sans s'en revoir. Après ça, en 2012, je pense qu'on s'est revus. C'est là que j'ai dit que ma mère allait se une dernière chance. Ouais, ça m'a dit une dernière chance. Dans ses yeux, ça m'a fait un pfff dans ses yeux. Ouais, puis là, on était contents parce qu'on s'est dit, bon, on va apprendre ça là, on va essayer de ne pas chicaner. On l'a pris, ça a jamais, on s'est jamais rechicané après ça. On s'est excusé des fois, j'ai déjà à ça, après ça, tu sais, c'était genre, hey, on s'excuse. Mais pas. Vraiment, là, Samy, en plus, ça veut plus qu'on se voit. Quand là. C'est elle qui nous a laissé notre dernière chance. Là, elle a recommencé, c'est bon, tu peux aller voir. Ouais, là, c'est vraiment bizarre, là. Ouais. C'est là que j'ai dit, c'est Jimmy Dufour. Elle a fait, ah, Jimmy Dufour, vas-y, tu peux aller voir. Bizarre, oui, là, t'sais. Sinon, après ça. Tabarsaï! Non, mais elle vient quand même pas toi aussi. Si tu pourrais vivre dans un centre d'achat, quel centre d'achat tu choisirais? Si je pouvais vivre, tu sais, je pouvais vivre. Ouais, dans un centre d'achat. Place de Royaume. ouais, effectivement. Tu es Place de Royaume. Maintenant, on va faire un petit jeu. Je vais poser des questions à Étienne. Et il va y avoir un mai après. Il va des... Je vais dire si il choisit ça, s'il appuie rien sur le bouton ou non. Si tu pourrais manger la nourriture jusqu'à toute ta nourriture préférée jusqu'à la fin de ta vie, mais tout ce que tu manges, ça goûte l'eau. J'ai vraiment mais ouais, man. Fais, change la question, man. Mets pas le mec, okay, mets pas le mec. Parce que tu mélanges tout. Tu peux manger la nourriture que ta nourriture, c'est que tu préfères manger dans la vie. Oui. Ta nourriture bon, t'es chinois. Si tu peux manger ça jusqu'à la fin de ta vie, mais en mangeant ça, toutes les produits chinois que tu manges, tu goûtes l'eau. Est-ce que tu es prêt sur le bouton ou non? T'es prêt? Ok. C'est bon. Mais tu as autre chose que ça, tu peux me dire, genre, je sais pas, mais d'autres affaires. Ah! Voilà, c'est pas grave, on va voir. Ouais, mais là, tu me mélanges tout, là. Mon cerveau, il avait un. Il est tombé dans. Un jeu de mal que t'aimerais peut-être créer. Game de relation 2. C'est ce que je portais pour dire. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont passé le premier à Game de relation, ça fait mal. Je sais pas s'ils vont faire comme Call of Duty Goat, ben. Attends, genre 3-4 ans, c'est ça? Ouais, genre, pour en faire un deuxième. Ouais. Moi, j'attendais à ce qu'ils fassent 4 jeux, comme il y a 4 films, comme il y a 4 films à lien. Ouais, c'est vrai. Là, fait 4 jeux. Donc, si tu pourrais avoir le style de n'importe quelle personne, je choisirais le style de quelle personne sur Terre. Le style d'Eric du groupe de Def Leppard. Ok. Ça, là, c'est un drummer qui me passionne parce qu'il mangeait qu'un lui a rien qu'un bras. Puis il me passionne carrément depuis que je suis jeune, que je la regarde drummer depuis que je suis jeune. Je me capote. C'était quoi ton rêve quand t'étais petit? Être archéologue. Ah, ok. Genre, à ton risque, pas dire être un super DJ. Mais juste pour vous dire, là, j'adore les dinosaures, puis je connais tous les noms, les sortes, je connais tout ça. Pour toi, ce serait quoi, quand tu, si un jour tu deviens archéologue? Archéologue! Hey, t'as dit archéologue! Non, oh my god! Ce serait quoi la plus grande découverte que t'aimerais faire? Découvrir une nouvelle espèce de dinosaure, sérieux. Mm-hmm. Mais de découvrir que si les dragons existaient vraiment. Sais-tu, j'ai regardé ta affiche sur Facebook, les 15 créatures sous-marines.
Ça m'a fait trop mal de penser à ce film de Ticor. Ouais, hein, c'est pour ça que je te dis qu'il y a des Amériques. Les Léviathans, c'est des affaires-là. Là. Mais parce que pour ceux qui jouent la scène de Ticor, c'est un jeu vraiment fucké. Fucké, mais il est pas un peu bon. Si vous voyez un Léviathan, sauvez-vous. Ah, fait non, mais tu sais, je me verrais faire une un archéologue! Puis d'aller dans les profondeurs sous-marines, tu sais, puis de trouver un Léviathan. Lui, là, pis son Léviathan, là. Non, mais. Il longe pas. Non, mais sérieux, c'est un dieu océan. Puis moi, quand je dis que c'est un dieu océan. C'est sûr. Tu sais, tu regardes Monstre d'eau douce à la TV, là. Tu l'écoutes aussi? Oui. Ça, c'est juste incroyable, là. Les créatures marines qui attaquent ou des phénomènes, là. Fait que moi, je verrais trouver un Léviathan dans les profondeurs de l'océan, là. Ben, c'est comme qui dit, sauvez-vous. Sauvez-vous, oui. Donc, comme autre question. Est-ce qu'il connaît les dinosaures? Oui. Oui, ça, il connaît les dinosaures, pas juste un peu. Si tu parles d'un personnage de jeu vidéo, lequel personnage de jeu vidéo as-tu fait? À part Destiny, parce que c'est ton jeu préféré. Un personnage de jeu vidéo. Hey, tabarcelaire! Quand moi, je vais donner un petit coup de main. Moi, je vais soit être un assassin ou soit être un pire. Ça, là, c'est des personnages que j'aime. Moi, je vais vous dire que je ne connais pas de ces Transformers aussi, ça serait Optimus. Optimus Prime, donc. Je vous le dis, là, j'ai même une figurine d'Optimus Prime. Du jeu vidéo. Elle m'a coûté 90$, ok. Et ça d'autre, là. Son niveau de transformation, là. C'est le niveau maximum, ok. 5, ok. Je le fais à même pas 7 minutes. Elle vous dit que c'est pas long que j'ai transforme. Optimus Prime, là, ça m'a coûté 90$. Il est ça d'autre, là. Il est vraiment autre. Si tu pourrais aller dans le passé pour changer d'événement, quel événement tu changerais? Changer mon événement pour une PS4. Changer ta Xbox One pour une PS4. Ah, c'est pas une Xbox One, disons, c'est une Xbox 360. Ouais. Excuse-moi ton cousin. Donc, si tu pourrais recommencer ton enfance du début, est-ce que tu aimerais recommencer ta vie du début? Non. Non, j'aime mieux comme calé là. Ok. Sérieux? Mais j'aimerais pas ça, mais j'aime pas vieillir. Moi j'aimerais ça rester genre à 17 ans même. 17 ans. Ouais. Fait que tout le monde arrête de vieillir, tu sais, genre de même. Ouais. Avec de l'excès de longue vie, ça serait fou. Moi j'écoute beaucoup d'affaires. J'aime beaucoup ce qui parle de l'Égypte, ça fait comme les affaires de la vie éternelle, Dieu égyptien. Donc je connais tout. Ah, voilà, dinosaure, on va parler de ça. Ouais. Fais-moi donc la question sur là-dessus. Ok. La preuve. Quel dinosaure t'aimerais monter? Moi, j'aimerais monter à Liopyrodon. Ok. Dinosaure marin. Si tu pourrais avoir un dinosaure comme animal de compagnie, lequel t'aimerais avoir? Spinosaure. Ok. Aimerais-tu voler sur un pterodactyle? J'aimerais voler sur, pas sur le taureau d'actif, j'aimerais plus voler sur Pteranodon. Ok. Aimerais-tu visiter les fonds sous-marins avec un dinosaure qui peut y aller sous l'eau? Ouais, le Liopyrodon. Ouais. Comment ça attend? J'ai rien à craindre qui va aller sous ma gauche. Serais-tu prêt? Ok, go. Vas-y, continue, continue. Okay. Si tu pourrais vivre dans le monde de Ark Survivor, est-ce que tu le ferais? Je le ferais certainement. Genre pour toute ta vie, en fait. Certainement, je le ferais. Sérieusement, je le ferais. Ok. Si tu pourrais, par exemple, disons que tu te retrouves dans l'univers de Walking Dead. Pour ceux qui ne connaissent pas Walking Dead, c'est gay avec tout plein de zombies, là, ok? Tu vas enculer comme des ennemis. Est-ce que tu te suiciderais ou tu lutterais pour vivre? Oui, je me lutterais pour vivre. Dans un monde, tu sais, quand tu dis que c'est un monde où il y a peut-être plus grand survivant, où il y a des camps de réfugiés et des affaires de même, mais très peu. Là.
Non, c'est vrai, ouais, j'aimerais ça. Ok, j'aimerais ça aussi. J'aimerais ça pareil. Ok. Si tu pourrais raconter ton personnage de Destiny, qu'est-ce que tu disais? Tu pourrais le Destiny? Ouais, si tu rencontrais ton personnage de Destiny, qu'est-ce que tu lui dirais? Mon personnage à moi, il est niveau 40. Ouais. T'es un mouton d'armure. C'est sûr. Ok. Si t'as un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait? Ça serait d'être un dinosaure sérieux. Ah, ok, se transformer en dinosaure. Mais ce serait une invisibilité. C'est malin. C'est-tu la fille avec qui t'as écrit je suis gay tantôt? Non, c'est Alexandra. Ah! Ah non, si j'ai marqué. Ah, j'ai marqué! Marqué, c'est quoi tout ça? J'ai marqué, j'ai avalé. J'ai marqué, je gagne. J'ai marqué, je gagne. Ça a marqué tout à l'envers. Hein. Ah, je sais pas si on est en live. Ça s'est passé ici même, dans cette pièce. Si tu portes ton rien en arrière, en ce moment, est-ce que tu le ferais? Non, oui! Est-ce qu'on peut t'écrire? Tu peux au moins. On voit que ça marquait j'ai un vagin, mais là, elle répond. Elle sait, tu fais, j'ai un vagin. Ton meilleur ami en tous les amis que t'as. Toi? T'es pas obligé de dire mais. Non, non, mais toi? Ouais. Parce que Chris, ça m'a fait 4 ans parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à parler pis tout. Ouais. Toi et puis William Fortin, c'est deux. Ça là, c'est les deux. Ouais. Est-ce que dans tes amis, t'as d'autres amis, genre, que tu considères comme des bouches-trous ou des choses comme ça? Alexandre. Ben, ah, ouais. Bonne réponse, on applaudit! un professeur que t'aimerais avoir. Genre n'importe quel professeur. Comme ta mère, c'est ça que tu aimerais me dire? Ouais, genre. Oh, ma prof, ouais. Ah, laquelle? J'ai pas d'avance, si tu savais que t'en qu'est-ce que t'as écrit? Oh, faut que j'aille, Sébastien. Il a envoyé un message de son professeur qui dit j'ai pas vagin. Je ne sais pas ce qu'il va te dire comme étudiant, il m'a dit j'ai pas vagin. Même pas vrai. Je sais pas si on en a rien. Bon, le professeur que t'as envoyé comme ami. Mais là, c'est moyen, si j'en avais trop ça, c'est tellement de chômé. C'est tellement de chômé, on va revenir après. Couper les cheveux tous les jours. Si ton père serait directeur, puis ta mère professeur, qu'est-ce que tu ferais? Ma mère, j'ai dit une balle, mon père, je m'en fous. Non, c'est vrai, mon père, serait même trop de chômé directeur. Le mec qui aurait fait de la merde, il aurait dit c'est gars, hein, j'ai fait ça comme si ton vie. Frère serait dans la même classe que toi, qu'est-ce que tu ferais? Pouf! Non, ce que je ferais, sérieusement, ben, je watcherais. Hein. Disons que je resterais. Disons que je me suivrais avec lui. Disons que genre, je watcherais. Si c'est carré et tout, ça serait pas long que j'ai de faire. Un animal que t'aimerais inventer. Un animal que j'aimerais inventer. Tu sais, faut quand même pas que tu me dises que t'aimerais ça inventer. Un tricotanus. Okay. C'est pas vrai, c'est pas vrai! Ah mais, dis-moi quand même pas le Pokémon, parce que sinon tu en auras pour 150, on m'a dit. C'est un dragon, sérieux? J'ai juste tant imaginé si ça existait, quelque chose comme ça. C'est un cataclysme, ça, tu veux passer? C'est juste un crève. C'est pas son crève, non, juste un dragon normal.
C'est un dingue que t'es laissé se passer. Bon, moi, je vous donne un rôle. J'entends tout le monde. T'as un petit peu d'un que t'es laissé se trop de chamé. Bonjour tout le monde. C'est vraiment moi, je t'ai dit. C'est donné. Mais tu fais d'un gars du Wallis, du Wallis, je t'ai eu dans la vie. Oui, c'est lui, j'aimerais qu'il arrive. D'un gars du Wallis, je suis sorti. Si tu pourrais. Si tu pourrais. Me faire revivre quelqu'un à la vie, qui tu faisais? Ma grand-mère. Pas pour une journée, pour toute ma vie. Je vais te parler plus tantôt, parce qu'en direct, je ne vais pas le dire, non, mais. Je vais te parler plus tantôt. Ouais, la magie noire, ou des choses comme ça, que ce soit la magie noire, la magie égyptienne, ou des choses. Magie noire, ça, je ne touche pas, parce que moi, qu'est-ce qui est magie noire de phénomène, mais moi, je ne touche pas à ça, parce que ça fait vraiment trop peu. Et qu'est-ce qui est d'esprit de phénomène, ça j'y crée. Ouais. Ben, mais juste à parler des choses dans le bois, déjà. C'est ça, moi, j'ai déjà vu ma grand-mère, ou ma grand-mère la sort, moi aussi, chez ma mère. Parce que moi, j'ai déjà vu Mathéo. On a vu aussi le bonhomme à l'hiver. Ouais, fait que déjà là, en partant. C'est évident que c'est un bonhomme en plus, c'est vrai qu'il se demande si c'est un bonhomme. En partant, no comment, ok? No comment. On est pas sur toi. On est pas en ligne, au revoir. Si tu peux avoir une chambre plus grande, qu'est-ce que t'as chez ta mère ou chez ton père, est-ce que tu serais prêt à rénover? Go. Go. Si tu peux aller avec une star ou une célébrité ou quelqu'un, que ce soit avec un acteur, go le gars qui fait Iron Man, sérieux, ça. Oui, avec lui, là. Oui, mais c'est que j'aimerais ça. Si tu pourrais avoir n'importe quel talent, quel talent tu choisis? Moi, mais là, on va prendre toujours mon talent que j'ai d'habitude, musicien et artistique. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, allez voir sur mon Facebook, j'ai plein de dessins. Une chanson que tu aimerais refaire ou rechanter? Mon show, j'ai déjà fait un show avec la classe l'année passée. La tune qu'on a tapé, c'est quoi la tune qu'il y avait, que James avait moffé? Il y avait une tune qui avait moffé, mais qui m'avait fait moffer aussi parce qu'il disait qu'il ah, man, il était tellement poche. La tune que j'aimerais refaire, ça serait Def Leppard. Non. C'est carré ce qu'il m'a fait. Genre, c'est quoi, il a changé plein de paroles mais... Non, man, il jouait sa guitare. On dit, on est instrumental. Ah, okay. Puis, moi, Sébastien, il a toujours dit. Mais c'est le drummer qui est chef, donc c'est lui qui donne le beat. Esti, c'est lui qui a fait que je suis. Donc, t'aimerais rejouer ou refaire ça? Oh, man, je la referais, je la referais. Esti. Ok. On n'en parle plus parce que là, même, mon poignet est derrière. après ça. Ah, t'as un petit crochet. Aïe. Ton film préféré? Jurassic World. Ah, okay. On se le cachera pas, là, c'est Jurassic World. Ton personnage préféré de Star Wars? Kylo Ren. Ah, ok. Ouais, je crois que t'es des méchants, ouais. Est-ce que t'aimes les films de super-héros, genre Avengers, Hulk ou... Je trouve pas que c'est les films super-héros, mais j'adore Avengers. Ah, ok. Fait que déjà là, au moins, ça te fait... C'est un film que t'aimes. Ouais. Bon, ensuite de ça. Est-ce qu'il y a un événement... c'est des événements qui se passent dans le monde, comme le Paris Games Week ou des affaires de même, que... Tellement qu'il se passe ici, là, tu sais. J'aimerais ça, mais qu'il y ait un tournoi de Destiny en PVP à Falardo. Moi, là, j'en ai participé, j'ai fait un jugement d'Osiris. Je me rappelle encore. Je me rappelle. On y avait. Je me rappelle. Non, c'est pas dans, non, c'est pas dans Destiny, c'était Titanfall, oui. Ah. On avait. On a bien sûr la Russie qui est le top 1, je vous le jure. Ils font rien que du sniper, ils ont 80 victoires, une défaite. Et nous autres, bien sûr, on fait partie du Canada. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a dans Stanford, c'est que quand tu fais des tournois, ça fait de même, tu te bats contre d'autres pays. Mettons, tu te bats, mettons, contre la France. Si tu comptes contre la France,
t'as réussi à avoir la France. Dans le fond, la France est rendue le Canada. Genre, faut vraiment, tu sais, genre que tu. Ouais. Vraiment, faut vraiment que t'as le globe le complet. Ouais. Moi, je vais vous le dire, j'ai le globe à moitié, ok? J'ai juste un globe à moitié. Je vous le jure, ok? La Russie, là, elle est imbattable, tout le monde, ok? Je vous le jure, je me suis déjà battu contre la Russie. Oui, je suis quand même fort, ok? Je vous le jure, dans la game contre la Russie, j'ai fait 3 kills. J'ai été mort 190 fois. Quand que je vous dis que la Russie, c'est de la bombe, là, tu rentres dans la map, la première affaire qui arrive, pouf! T'as snipe. T'as rapparence, on vous le jure, sont tout le temps campés là. C'est comme s'ils savaient où t'allais apparaître. C'est ça, là. C'est les autres, ils savent, je sais pas comment ils font, mais. Puis je me rappelle, il y a un moment donné, que je m'avais rebattu contre la Russie. Je me rappelle encore, j'étais avec mes chummies, j'avais dit, gars, moi, tant qu'à être dans le top, moi, je vais sniper. Je me rappelle encore, on menait 3 à 0. Là, j'étais avec mes amis, là, j'étais avec mes chummies, j'ai dit, ça me prend 3 snipes, ça me prend les 3 autres, tu sais, ils se garochent dans le top. Je sais pas quand j'ai même comme fait comme diversion. On a réussi les 3 snipers à se mettre dans toute la map, genre vraiment à tout englober à la map au complet de où ce qu'on était, Angel City en plus. J'étais dans la zone centrale à sniper tout le monde. On avait gagné 300 à 299. On avait gagné de 1 point contre la Russie. Puis c'est eux autres qui ont eu une défaite, c'était contre nous autres. À part ça, mais je vais vous le dire, ils ont 80 victoires, une défaite, nous autres on a 24 victoires, 8 défaites, on est quand même, oui, on dit, c'est fort, là, mais on veut que, tu sais, eux autres, c'est vraiment des gamers, là, aussi. Ouais, c'est comme League of Legends. C'est comme League of Legends. Ouais, c'est League of Legends que j'aimais pas jouer. Ah, moi, j'aimais ça, jouer. J'aimais ça à un bout, mais... Je te rappelle, t'avais déjà joué contre moi. Tu m'en as dit, avait planté. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas comment est-ce que planté, même deux gens là. Mais mon ordi a comme bien sauté quand même. On est à 37 minutes. Moi je dis que les 2 minutes qui suivent, tu me parles juste de dinosaures, man. Je sais pas, mais genre, je sais pas, mais le poids des phénomènes. Mais explique-moi tout ça. Mais dinosaures, mettons, moi, je vais te dire tout ça, ok? Dis-moi, tous les dinosaures qui passent par la tête, je vais tout te dire ça. Tout le monde, écoutez ça. Ok, dis-moi tous les dinosaures que tu peux avant qu'on atteigne les 40 minutes. Tyrannosaure, Triceratops, Stegosaure, Ankylosaure, Pterodactyle, Pteranodon, Lioplérodon, Mosarosaure, Plésiosaure. Après ça, attends un peu. Allosaure, Carnotaure. Après ça, il y a aussi le Brachiosaure, le Supernatosaure. Ensuite, on a aussi le fameux Gigantosaure. On a aussi le fameux Velociraptor, Utraraptor, Totrodon, Consognatus. On a aussi le Galanimus. On a aussi. Dans l'eau, il y en a aussi on a aussi Oviraptor, on a aussi le... Oviraptor, ça je l'ai dit, Stegosaur, je l'ai dit, on a aussi un Kantosaur, on a aussi le Stegosaur, non, le Stegosaur, je l'ai dit, on passe. Ensuite, le Spinosaur, ça habite en Égypte, on a aussi... on avait un peu, c'est quoi déjà le nom? Triceratops. Après Triceratops, le cousin du Triceratops, c'était quoi déjà? C'était pas trop dent, non? C'était pas trop dent. Triceratops, c'était un peu. Je vais m'en rappeler même. Un Taurosaure, et voilà. Après le Taurosaure, on avait aussi. D'ailleurs, on avait aussi un. Troodon, Triceratops. Bonne mémoire. Ok, bon, maintenant je vais vous dire le poids, ok? Le plus que je peux. Le Tyrannosaure, ça pèse 12 tonnes. C'est 12 tonnes, ça mesure 24 mètres de long, 12 mètres de haut. Ensuite, on a aussi le Brachiosaure qui fait 88 tonnes, c'est-à-dire autant que 12 éléphants. Il faisait 30 mètres de haut, 26 mètres de long. Le Lioplérodon faisait 200 tonnes, il faisait 200 mètres de long, il faisait 24 mètres de large. La nageoire, juste la queue de dorsale faisait 30 cm de long. Il y avait des épines de longues comme une lame de rasoir. On avait aussi le Tyrannosaure qui avait aussi des dents tranchantes comme une lame de rasoir, qui avait vraiment 30 cm, c'était vraiment 30 cm. On avait aussi le Carnotaure qui était. Il y avait deux petits bras, mais il y avait trois griffes. Ils sortaient vraiment courtes. On avait aussi
On a aussi le Pteranodon, dans le fond. C'est le cousin de l'aigle royal. La même largeur que l'aigle royal. On avait aussi le Velociraptor. On a aussi le Velociraptor qui sont le cousin de la poule, c'est-à-dire la hauteur de deux poules, un par-dessus l'autre. Pour le brontosaure, dans le fond, c'est le cousin du brachiosaure. Mais le brontosaure, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Ah, on s'arrête là. Désolé, attends, mais c'est tout le temps que nous avions. C'est terminé. Merci d'avoir aidé tout le monde. Donc, c'était la deuxième question time que Étienne pouvait répondre. Mais malheureusement, on a atteint la feuille du temps. Donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir aidé tout le monde. Peace.